Alors, petite voix off pour donner un peu de contexte à la vidéo. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les Géorgiens, ils alternent des jours avec un entraînement et des jours avec deux entraînements. Et le dimanche, c'est repos. Vous l'aurez compris, entre les entraînements, Toko, il nous fait visiter le pays. Hier, c'était la motoneige. Et ce soir, on va dans un restaurant local. Ce matin, au programme de l'entraînement, arraché prise mixte en demi-flexion, puis d'arraché développé prise mixte. Cet après-midi, ce sera monté en double à l'arraché, suivi de squat. Donc cette édition du stage, Toko il est organisé à Bakuriani, donc c'est une station de ski à peu près 3 heures de bus de Tbilissi. Donc nous étions logés à l'hôtel, on était un grand groupe d'une grosse quinzaine, donc pour s'entraîner dans les bonnes conditions, Toko il nous a séparés en deux groupes d'entraînement. Sachant que la salle elle a été installée directement dans l'hôtel, on pouvait manger, dormir et s'entraîner sans avoir besoin de sortir. Chaque groupe avait ses horaires, donc nous c'était petit déj à 8h45, entraînement à 10h, repas à 13h30, deuxième entraînement à 16h. Voilà, c'était tout bien organisé, donc les jours de repos et les jours où on s'entraînait qu'une fois, on pouvait bouger aller faire des activités. Et les jours où on s'entraînait deux fois, en général, on restait à l'hôtel pour se reposer et pour enquiller. Donc voilà, fin du premier entraînement, maintenant place au repas. Niveau bouffe, les Géorgiens mangent beaucoup de viande en sauce, assez épicée, mais aussi beaucoup de crudités et de légumes. Au niveau des quantités, n'ayez pas peur, il y en a pour tout le monde. Quand vous allez au restaurant, ne faites pas comme nous. Vous jetez pas sur l'entrée, parce que vous inquiétez pas, il y a une deuxième entrée, une troisième entrée, un premier plat, deuxième plat, troisième plat, quatrième plat. Vous inquiétez pas niveau quantité, il y a largement de quoi tanner. Maintenant, place à l'entraînement lourd de l'après-midi. Solide. Donc comme vous pouvez voir, même si le but de la séance après c'est de monter en doublé, Toko il nous fait quand même nous échauffer avec des semi-techniques, donc ici c'est arracher force sans contact, un semi-technique dont ils sont très friands. Plus droit ça. Donne la deuxième. Un peu court. Oh, sauvetage. Yeah. Oh. Ouais, c'est bien. Mieux, Simon. Allez, Simon. Boum. C'est combien ton max en doublé? Allez, on va faire des choses devant genoux.
prends quadri en travers, c'est bien, mieux, ça va vite. Donc après les deux entraînements, on passe par le sauna de l'hôtel d'à côté. Pro tips, si vous avez de la barbe et les cheveux rasés, les chauffeurs de taxi penseront que vous parlez géorgien. Mais non, il n'est pas un Géorgien. Si. Oui, non, mais Chem, il n'est pas Géorgien. America. Non. No. France. 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 Yeah. Yes. Oui, grand crime. Paris. Paris. Oh, poeta. True. Paris. Ah, il a déjà été à Paris. Trop bien. Ah. Maintenant, place au Kinkali au cha-cha, la boisson traditionnelle géorgienne. Allez, pour les copains. Pour les Güzel keçine kıslanmazlar vardı Maşallah tit kos var da Maşallah tit kos var da Ankara bulanmış bir boş gemi Ben sevdim ne var Tirtmeli ki kos var da Tirtmeli ki kos var da Hayda 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 Bu liman para kitli sasuma Sulitsi bizde Aptena sit kos var da Aptena sit kos var da Pour récupérer de cette soirée mémorable, Toko nous amène nous balader en forêt et nous baigner dans des sources chaudes naturelles. Moi j'ai trouvé pas très fort. Non mais là ça va me faire du bien. Hein. Enfin, nous vous laissons sur une vidéo d'entraînement de trois Géorgiens qui ont tous été internationaux. Voilà, c'est du bonus. On vous laisse check ça. À la semaine prochaine.
Slow it down.